Monsieur le député de Bordua, à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais souligner la présence dans nos tribunes de Monsieur Gilles Plante, maire de la municipalité de McMasterville, de Madame Lynn Savaria, directrice générale, ainsi que de Madame Danielle Meunier, de Monsieur Martin Dulac et de Monsieur Normand Anger, conseillère et conseiller municipaux à la municipalité de McMasterville. Monsieur le Président, ils sont ici aujourd'hui parce que McMasterville fête cette année son 100e anniversaire. McMasterville a une histoire bien particulière. Née autour d'une usine d'explosifs, elle a d'abord grandi au rythme des guerres et des crises économiques. Le caractère de sa population s'est d'ailleurs modelé à cette réalité, accueillant avec bonheur les belles années et arborant avec résilience les coups les plus durs. Mais, Monsieur le Président, McMasterville est devenue, aujourd'hui, avec le temps, une municipalité des plus actuelles. Aujourd'hui, son dessin n'est plus industriel, mais plutôt résidentiel. Pour que cette transformation soit réussie, la municipalité a su miser sur des valeurs qui ont fait sa force à travers les années, soit la famille, la communauté et la fierté. Pour finir, Monsieur le Président, j'aimerais dire merci aux gens dans la tribune d'avoir contribué au succès de McMasterville à leur façon et j'aimerais souhaiter un bon 100e anniversaire à tous les McMastervilloises et tous les McMastervillois. Bon anniversaire. Merci à vous, Monsieur le député de Bordua.